Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retrouvons mon ami Lionel Dary qui sort un nouveau jeu de combat, Street Totosher, qui est inspiré de Street Fighter 2. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors là, en ce moment, moi, on est avec mon dallon Lionel Dary, que la sorte un super jeu. Et là, nous, on est au salon Futura. Moi, c'est Dary Lionel, développeur de jeux vidéo depuis maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, je me présente à ça au salon de Futura, Street Totosher. Futura, c'est le salon où on a toutes les nouvelles innovations, toutes les nouvelles sorties à ne pas manquer. Et là, nouveau jeu, c'est Street Totosher. Street Totosher. Elle est belle, elle est pareille que Street Fighter, mais côté plus pays, quoi. Voilà, Street Fighter de pays. C'est exactement ça. En fait, elle est inspirée de Street Fighter, mais version pays. Ouais. C'est-à-dire, on retrouve un personnage à Réunion, comme la Malbarès, le Cagnard, la Matante, ou bien le Yabéo. Et c'est un jeu vidéo qui sortira fin d'année, le 11 décembre, sur Steam. Et donc voilà. Et on a une technique un peu, comme qui dirait, originale. Par exemple, le Yableo, il aime tous les animaux. Lui. Mais il a tous les animaux, cochons, volailles, et on va dire comment. Hein? Et c'est ça l'originalité du jeu. C'est un peu comme culturel, on va dire. Il y a un montant où, ben là, c'est un Yableo, avec son chapeau, son sac BTL, son sous-sous d'armes, et dans le matant aussi. Ou dans la Malbarès, mais la Malbarès est un petit peu intéressante. C'est un peu, voilà, c'est mon petit cliché, la Réunion, et Ferry de Monde, c'est un jeu pour casser le cul. Okay. En tout cas, on a vraiment une vraie recherche de par les personnages. Moi, j'aime bien le Cagnard avec son bande de lunettes, là. Et il est super bien recherché, il est vraiment parfait, ça. Merci, mais en fait, quand c'est la vie de le jeu, en fait, qu'on nous voit ça tout le temps. Oui. Le Cagnard avec ses lunettes, voilà. On est habitué, nous, ça, c'est notre vie, en fait, notre environnement. Et c'est ça, le bien, c'est que nous tous les différents. Ouais. Nous tous y vivons différemment, nous habitons différemment, chacun son aussi, sa manière de vivre. Mais sauf que nous vivons tout le temps ensemble, c'est la Réunion. Et c'est ça les belles, ce vivre ensemble. Il aime bien aussi le Yab Chouchou. En fait, le Chouchou, c'est le Hadouken. Voilà, en fait, dedans, il fait un petit Street Fighter. Voilà. Le Kanya, il a un Hadouken, ça fait. Amoukat. Voilà, c'est vraiment, il faut casser le cul. C'est pas Hadouken, c'est Amoukat. Voilà, exactement. Il faut savoir que le bon personnage, quand c'est créole, donc dans la voix créole, dans le langage créole. Ah oui, il est authentique, quoi. Il est authentique. Et le but, c'est vraiment que de monde identifie à Zat, et qu'il y a mis à Zat, et qu'entre camarades, que nous tous les différents, ben nous jouer ça, et nous amuser à nous. Donc, j'espère la Réunion va soutenir à moi, va acheter le jeu fin d'année. Ah oui, là, c'est nécessaire, parce que là, non seulement c'est culturel, mais surtout humoristique. Exactement. Ça qui est bien. C'est comme si tu regardes un théâtre de la cour. Tu regardes un théâtre de la cour, regardes un spectacle de Jardino, c'est tout ça. Fait quoi, pareil, c'est ça, exactement ça, quoi. Ben la blague, elle est là, c'est ça, ouais. Et donc, voilà un petit peu comment il se passe. Mais j'adore le matante, là. Attention, là où ça gagne le baseball, voilà. Le matante, là. Demande-tu comment le matante. Donc, c'est un personnage dessiné. Le personnage est dessiné par un gars qui s'appelle Sébastien Sapédon. Et quand on voit seulement ma tante, ben on dirait ma tante, tout le monde est ma tante là dans notre famille. Il ressemble pareil. Et donc voilà, c'est mes filles donc que ce maman là, il contribue à ce que tout cher. Et encore bravo à Sébastien Sapédon.
Et ça, c'est la tantine là-haut, ça, non? Non, ça, c'est, on fait compte, ça, c'est le palmarès, c'est intéressant, ah, des bijoux. Ah oui, d'accord. Des bijoux partout. Après, peut-être nous aurons une tantine dans mon jeu, ah, c'est oui. Tantine là-haut. Oui. Donc voilà. Oui, mais en fait, le tantine là-haut, c'est un petit peu Chun-Li, puisque le Chun-Li, elle fait l'hélicoptère, elle fait un petit peu la roue. Bien sûr. Et aussi, vous connaissez, il faut savoir que Nora Manskin, qui là. Dit skin, c'est changement de vêtements. Ouais. Par exemple, le matin, là, c'est ma tante qui est habillée pour aller marcher forain. Ouais. Mais imagine ça, nous aurions ma tante pour aller à soucoupe. Ouais. Et ça va, ouais, c'est pour aller danser. Et tout, le Yableo, il peut être une autre façon d'être. Il ouais. y aura beaucoup de choses dedans, en fait. Quoi, ouais. Donc voilà un petit peu. Non, il est vraiment alléchant, il est vraiment super, il est vraiment amusant, quoi. Et oui, bah là, on est à toute le bande de facettes qu'il peut avoir à La Réunion. Ça voilà. qui est bien, c'est que les bien représentatifs, les belles, et puis c'est amusant, c'est un regard humoristique plein. Exactement, on a beaucoup finesse, d'engouement ouais. aussi de Mouni, comment on a vu, comment les gens y réagissent à travers ce jeu-là. De Mouni aime, et vraiment, et ça, c'est quelque chose qui donne la même motivation. Et donc voilà, et je remercie aussi mes partenaires aussi, il faut savoir que mes partenaires là aident à moi pour ce jeu-là. Ouais. Et sans Banane, il n'aurait pas peut-être pas avoir comme il est là. Et je remercie Banane. Mais en tout cas, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ce jeu-là? C'est l'enfance bien sûr. Voilà, en fait, comment toujours rêvé avoir un jeu vidéo combat avec mon personnage à Réunion. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait, parce qu'il faut savoir que fait 10 ans, il fait du jeu vidéo. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait parce que votre code n'était pas prêt. Donc, je attends un bon moment et le moment c'était cette année. Et donc voilà, et donc je lance à moi. Et vraiment, ce qui inspire moi, c'est La Réunion. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment. Comment ça? C'est là où je me trouve mes forces, on va dire. Donc voilà. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que Street Fighter 2, ça c'est notre génération et tout ça, mais Banty Marmaille ou sinon les jeunes. Lui connaît un petit peu moins ça, parce que nous les vieux quand même, hein, que nous c'est la génération 80-90. Exact. Et en fait, nous remet Street Fighter 2 au goût pays. Voilà, voilà, au goût du jeu aussi, parce que ben, quand il faut savoir que aujourd'hui, c'est tout un jeu, mais aimerait touche à la fois le rétro, c'est-à-dire les gens avant les jeux Street Fighter 2, et aussi ben, la nouvelle génération avec les jeux 3D. Ben oui. Donc je pense que il peut toucher déjà la famille, les gens qui jouaient bon jeu avant, bon Mouni aime jouer le jeu, bon gamers, quoi, bon hard gamers. Si Miguel touche tout le monde parce que justement le côté authentique, jeu créole, jeu pays, ben il pense qu'il y a la possibilité ben, que ce soit une réussite. Ben, alors là les amis, là nous va jouer à Street Totosher. Bon, alors comment... Alors direction là pour choisir personnage, ça va de gauche à droite. Ah oui, ben, comme dans Street Fighter 2. Voilà, exactement. Alors moi je prends... On va pour le caviar. Ouais, moi je prends le Yam. Voilà. Alors je donne Marche et Chaudron. Dans Léo, Nakagem, Bazar Chinois, Saint-Anne. Ah, on va essayer de marcher sur le chaudron. Allez, on marche chaudron. Sans tout le banc de coups spéciaux, tout ça, ça apparaît que dans Street Fighter 2, non? Oui, un petit peu. En fait, là, faut être compte, c'est vraiment les techniques de base. Un peu maintenant, regarde. Pied, point, sauter, et demi-siècle, c'est comme Street Fighter. Ça vous fait pour toi. Hein. Ça. Il est là. Ah, tu me gagnes le coup. Là, j'envoie un camion. Là, les deux, les morts, là. Oui. Donc, on peut comme dire, le gelé, voilà, un peu comme c'est un délire. Ouais. C'est vraiment pour casser le cuit. Et donc, voilà, donc, du boulot pour que faire l'année sorte. Et tout le monde se voit. Non, mais les banques profilent déjà super le jeu. Là, merci beaucoup, merci. Graphique super. J'ai fait vraiment penser à moi à Street Fighter 2, mais. C'est... J'adore. Le vache, Allez, avec pétale. C'est qui l'a pétale. Ah, chérie! Ah, putain, c'est monstrueux! C'est comme ça, chinois, il fait tout le temps! Volaille aussi! Eh bien, tu vois, les volailles qui sortent aussi, volailles, cochons, des bœufs! Ouais. Voilà pour toi! Voilà pour toi! Ah, en tout cas, le marché du chaudron est bien rendu! Hein. C'est.
C'est vraiment le décor vintage, quoi. Ouais, ouais, ouais. À la pour toi, vu le langage créole. À la pour toi. À la pour toi. Avec pas le moins de camarades. Le moment mental, c'était bien, c'est la douquen. Bah oui. Ah, oui. Là, pas ça, pas de camarades. Que ça sale les motos, là. C'est le matin que tu as fait ça? Ben non, faut que ça au cagnard, oui. Mais comme là, voilà. Ah, lui, il était bien, tout son bandalon, il fait venir tout ça. C'est dallon et tout ça. Oh, t'es... Je vous invite à jouer à Street Toto Show, vous allez voir, c'est très amusant, c'est très convivial. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.